Alors notre métier, et c'est ce qu'on intervient sur tous les chantiers de voies ferrées. Alors on est sous les ordres de chefs de chantier, et c'est eux qui nous guident de ce qu'on a à faire. La soudure, en fait, ça consiste au raccordement de deux rails selon le procédé imposé sur les chantiers, sur la prescription de fournisseurs. Ça se passe sur plusieurs étapes. La première, on fait la coupe du rail, après on fait le réglage, c'est la géométrie, et puis on met le métal en fusion qui fait le lien entre les deux rails. Je voulais faire ce métier parce que c'est un métier déjà qui me tient à cœur, que j'aime bien. Et puis c'est un métier qui est durable, utile et essentiel pour la collectivité. C'est un travail minutieux. Alors, on ne travaille pas qu'au millimètre, on travaille au dixième. Et il y a tous les instruments qu'il faut pour ça. C'est juste qu'il faut avoir l'envie et de la patience. En fait, c'est un métier passionnant. On est à l'extérieur. Et puis on s'adapte aux phénomènes météorologiques. Au lieu de rester toujours à l'intérieur, on se déplace. Être actif, autonome, pour savoir s'adapter au terrain, pour savoir s'adapter aux horaires, il faut être vraiment très autonome. Il faut être responsable par rapport à ce qu'on fait. Alors les compétences, on a des formations à faire. Déjà, on commence les débuts à soudeur avec un ancien qui nous monte sur le terrain. Et il y a une formation initiale de 2 ans et il y a de la théorie et de la pratique. Et du coup, c'est au-delà de là, on a un examen à passer. Et on a un permis de soudure. Voilà. Et du coup, on peut devenir chef d'équipe soudeur, on peut devenir un responsable de soudure ou un référent de métier de soudure. Si on a envie d'y aller plus loin, il y a toujours moyen.